Bonsoir tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je viens vous présenter une boutique d'une amie que j'ai sur Facebook qui s'appelle Marine. Alors son nom c'est Marine Erwan Bourse. Je vais vous mettre en barre d'infos hein, les liens pour la découvrir sur Facebook. Qui a une boutique, donc, comme je vous le disais, sur Facebook, qui s'appelle Les Créations de Marine. C'est une fille qui fait beaucoup de diamond painting, donc comme moi, comme beaucoup, et qui s'est mise à faire, à décorer les stylets, voilà, avec de la polymère professionnelle. Et donc, elle fait... toutes sortes de couleurs, elle peut faire des formes aussi, elle fait des décors sur les stylets et tout. Voilà, elle a un très 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 grand choix dans sa boutique. Donc elle m'avait proposé de m'envoyer un stylet et une pince, parce qu'elle décore aussi un peu les pinces de diamond painting. Voilà, donc je les ai reçus aujourd'hui, voilà, donc les voici, je les ai reçus dans une enveloppe bien sûr, et donc elle m'avait demandé de choisir les couleurs qui me plaisaient, donc je lui avais dit les couleurs que j'aimais, et donc elle m'en a fait un dans les tons que j'aimais bien, et elle m'a fait la pince avec, voilà, donc pour que je puisse vous les présenter. Donc voilà d'abord le stylet, voilà, peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà et connaissent Marine, voilà, je vous montre d'un peu plus près, donc c'est le stylet comme on se sert d'habitude, hein, avec sa petite pointe, ici vous avez l'embout, vous pouvez mettre, là je crois que c'est un... 5-6, voilà, et donc voilà, elle décore donc les stylets, donc avec la pâte polymère professionnelle, elle les vernit, ils sont vernis, elle peut vous les faire sur commande, c'est-à-dire aux couleurs de votre choix, voilà, si vous avez des petites conditions particulières, des choses que vous aimez, vous voyez avec elle et elle vous les fait hein. Donc moi elle m'a fait la petite pince qui va avec, voilà, donc du coup j'ai les deux, je vous montre, voilà, j'ai l'ensemble, donc c'est pas du tout lourd hein, je vous rassure. C'est vraiment pas lourd. De toute façon, la pâte polymère, hein, c'est pas lourd du tout. Hein. C'est quelque chose de léger. Et là, même dans la main, c'est vraiment très léger. Et puis, bon, du coup, c'est quand même beaucoup mieux, je trouve, que nos fins stylets que l'on a. À la longue, on a un peu mal aux doigts et puis à la main. Et là, bah, c'est un peu comme un stylo. Du coup, c'est un peu la grosseur d'un stylo. Et c'est beaucoup mieux. Donc, je vous montre encore. Voilà. Après, on fera un essai. Donc, avec ma toile que j'ai en cours en ce moment, la femme tigre, on fera un essai avec. Et comme ça, vous verrez ce que ça donne. Alors, je vous disais, sa boutique, c'est les créations de Marine. Dedans, vous pouvez trouver énormément de choix. Elle fait régulièrement de nouveaux modèles. Donc ces stylos, les stylets sont vendus entre 8 et 10 euros, voilà, suivant le modèle. Et les pinces sont vendues 2,50 euros, voilà, hein, décorées bien sûr. Et là, elle vous donne un code promo pour bénéficier de 10% sur l'achat du stylet ou de la pince, enfin de l'ensemble. Voilà, vous pouvez avoir 10%
Et donc, le code promo, c'est Atelier Didit. Voilà. Donc, je vous le remarque ici. Voilà, Atelier Didit. Mais je vous le remarque également en barre d'infos. Hein, donc, pour que vous puissiez bénéficier des 10%. Donc, si vous avez vu la vidéo et que vous voulez aller lui commander des stylets, n'oubliez pas de lui donner donc ce code promo pour vous bénéficier des 10% de remise. Voilà. Donc, Marine est quelqu'un de très gentil, très accessible. Hein, donc, vous pouvez tout à fait lui poser des questions, voir avec elle ce que vous avez envie d'avoir. Il y a aucun souci. Là, maintenant, on va l'essayer hein, sur la toile pour voir ce que j'en pense. Ok? Allez, c'est parti. Donc voilà, on va faire sur celui-là hein, de kit. En même temps, ça vous permet de voir où j'en suis arrivée, vous voyez. Voilà, j'ai pas beaucoup avancé, j'étais pas mal prise hein, là cette semaine. Mais bon, il n'y a pas de souci. Alors, comme il est tard et que mes petits yeux ont du mal le soir, je vais reprendre ici dans la partie blanche. Parce que si je fais dans le noir, ça va pas le faire. Alors, on va prendre le stylet. Hein. On va lui mettre de la colle, enfin de la glu, comme d'habitude. Hein. Ça change pas. Allez, alors. Parti. Bon, déjà, on l'a bien en main. C'est bien, et comme je disais, c'est pas lourd du tout. Je me sens plus à l'aise avec celui-là qu'avec le fin stylet rose qu'on a d'habitude. Je pensais pas, mais c'est vraiment pas mal. C'est beaucoup plus confortable en tout cas. Ça va très très bien. Bon, je vais pas faire 50 lignes, hein, les filles, là, aujourd'hui. C'était surtout pour essayer, pour vous dire vraiment mon ressenti, ce que j'en pensais. Bon, il faudra que je vois aussi, mais bon, je pense qu'il n'y a pas de problème. Au bout de 2 heures de diamond painting, si ça va toujours. Mais là, non, ça. Ça va.
J'ai vraiment mieux en main que les autres. Je pense que ça fatiguera moins mes mains, ma main également. Qu'avec le rose. Avec le rose, là déjà au bout de deux lignes, je commençais déjà à avoir mal. Là non, ça va. Mais si vous cherchez donc un stylet un peu original, du coup, comme ça, avec les couleurs personnelles que vous aimez, je vous dis, vous demandez hein, à Marine, elle vous les fera. Les couleurs, bon, c'est presque infini hein, avec la pâte polymère, il y a de nombreux coloris. Je pense qu'en disant ça, je dis pas de bêtises. De toute façon, moi je fais la pâte polymère aussi, donc je sais ce que c'est. Je vais en faire encore quelques-uns. Je vais finir la ligne. Mais ça va, il est léger. Allez, viens. Ah. Ma perle ne voulait pas venir. Et pour la pince, bon, c'est pareil. Bon, les pinces, j'ai un peu plus de mal, moi. Mais ça, c'est... Je m'en sers plus quand il faut, par exemple, démonter. Là, vous voyez, j'enlève. Là, c'est... que pour travailler avec. Moi, les pinces me servent juste à démonter. Non, mais n'hésitez pas à aller voir, donc, comme je vous disais, la boutique à Marine. Voir s'il y a des stylets qui vous plaisent, dans ce cas-là déjà en stock. Sinon, si vous ne trouvez pas quelque chose qui vous plaît, vous n'hésitez pas à lui poser la question, lui dire ce que vous aimeriez avoir. Et... normalement, il n'y a pas de problème. Elle vous le fait. Voilà, on arrive au bout de la ligne. Voilà. Non, bah c'est très très bien, il est vraiment pas lourd, surtout que bon, comme je vous dis, moi au bout de deux lignes, j'ai déjà mal à la main, donc là non, il est vraiment il est top, il a la bonne taille pour le tenir vraiment. Moi je tiens souvent, bah, c'est comme un stylo presque, donc... Donc moi j'avais demandé dans les tons un peu noir, doré, donc c'est ce qu'elle m'a fait. Voilà, la pointe. Et là, donc ce que je vous disais, le bout avec, on peut mettre 5 ou 6 perles près. Je vous montre là. Voilà, et la pince, oh, ça reflète, voilà, comme ça. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à aller rendre visite donc à Marine.
Je vais vous mettre en barre d'infos le lien de sa boutique, le lien de sa page Facebook également. Et puis, je vous remets également le code promo qui vous permet donc d'obtenir moins de 10% sur vos achats dans sa boutique. Hein, donc, le code promo Atelier Didith. Et vous retrouvez tout donc en barre d'infos. Et donc, n'hésitez pas à aller lui rendre visite et puis à faire votre choix dans sa boutique. Allez. Mais Marine, encore merci. J'aime beaucoup donc le stylet que tu m'as envoyé, la pince aussi. Et puis je crois que ça va être mon stylet maintenant qui sera toujours avec moi pour faire mes diamond painting. Voilà. Allez, encore merci. Allez, je vous laisse tous avec les yeux de la femme tigre. Voilà. Je vous fais tous des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, des nouvelles aventures. À bientôt. Bisous, bisous.